sait pas encore faire la différence entre la gauche et la droite. Oui, je sais, gauche, droite. Bon, tu ne peux pas accélérer un peu. C'est que j'aimerais bien aller dormir, moi, hein. Billy? Oh! Te voilà. Je commençais à croire que tu ne viendrais pas. Que je ne viendrais pas? N'as-tu pas hurlé ton désir de me voir? Oui, tu as tout à fait raison. Je t'ai appelé parce que... Oh, quelle tanière! Et remplie de trésors! Oh, oh! J'ai une invitation à te faire. Qu'est-ce donc qu'une invitation? Charmant. Il y aura une petite fête en l'honneur de mon anniversaire. Une fête? Chut! Oh, cache-toi! Bon, maintenant, ça suffit, jeune fille. Range immédiatement tes livres d'histoire et au dodo. Oh oui, papa. Dragon. Oh. Dragon. Oh. Alors, dragon, dis-moi, tu viendras? S'il doit y avoir des objets aussi, comment dire, fascinants que celui-ci, eh bien, j'y assisterai volontiers. Ouais, j'ai tellement hâte de te présenter à tous mes amis. Grégoire ! Mais écoute, c'est mon anniversaire qu'on va fêter et tous mes amis sont invités. Oh. Oh. Moi, je ne me connais aucun autre ami. Je ne connais que des gens qui veulent nous atteindre de leurs flèches. Si seulement tout le monde était comme toi, Émilie, les dragons de la Terre seraient plus en sécurité. Mais hélas, il n'en est rien. Il y a des tas de gens qui sont comme moi. Non. Tu verras bien si tu viens à ma fête. Mais vas-tu enfin pouvoir m'expliquer ce que c'est qu'un anniversaire? Si tu veux bien revenir dans la chambre, je vais tout expliquer. Oups, ce n'est pas celle-là. Oh, zut flûte, où peut-elle bien être? On m'avait déjà parlé de ces lanternes, mais jamais je ne me serais douté qu'elles pouvaient enchanter toute une forêt. Elle n'est pas vraiment là. C'est une sorte de souvenir. Tu vois? Ah oui, ça me rappelle la forêt sauvage, à l'époque où les lièvres et les renards partageaient le même terrier, alors que les dragons régnaient sur la planète. L'air à cette époque était pur et frais. Et on pouvait se gaver de délicieux insectes et de nectar d'abeilles. Oh ouais, ça devait être merveilleux. Où sont passés les dragons? Ce ne sont plus que des souvenirs qu'on ne peut même pas voir sur ta lanterne. Tu es là, toi? Oui, et j'en suis ravi. Oh? Qu'ont-ils donc fait pour mériter d'être jetés en prison? Chut! Ce n'est pas une prison! C'est un zoo. Un zoo? J'adore ça! On y apprend tant de choses sur les animaux. Comme je voudrais y vivre. Toi, peut-être, mais eux... D'autres habitants du zoo, hein? Mais eux, ils ont l'air plus dangereux, moins dociles. C'est ma fête d'anniversaire. Mais quelle célébration! C'est ce dont je te parlais. En fait, en souvenir de sa naissance, tu vois. Mais cet événement ne devrait-il pas être célébré tous les jours? Oui, mais on fête cette journée-là en particulier. Et c'est quand ton anniversaire? Je n'en sais rien, moi. On s'amuse beaucoup, on mange plein de bonnes choses et... Oh oui, et on reçoit plein de cadeaux. Cadeaux?
Cadeau. Cadeau? C'est ça, c'est ce que je préfère. On ne peut pas avoir d'anniversaire sans cadeau. Attends, je vais te montrer. J'en prendrai soin comme la prunelle de mes yeux. Bien, ouvre-le maintenant. Il y a plus? Oh, mais quelle merveilleuse invention que ces petits cadeaux. Et si tu venais à mon anniversaire, ce serait le plus beau cadeau que tu puisses me faire, je t'assure, Dragon. Bon, très bien. Alors, je te promets de me présenter sans faute à cette fête offerte en l'honneur de ton anniversaire. Et tu n'auras rien à craindre. J'ai pensé à tout. Je te promets que tu ne risques rien d'autre que de t'y amuser. Tu sais, Émilie, je suis sûr que tu as tout à fait raison. Ah, ouh! Maintenant, descends lentement. C'est ça. Arrête. Tiens bon, je vais chercher la corde. Oh, où est-elle? Oh, c'est une fauvette à capuchon. Petit, petit. Non, mais quelle idée stupide de mettre une corde là-dedans. Non! Hé, bougez! Je vais te... J'ai fini de faire les clowns. Je voulais dire, allez-y, faites les clowns. On vous attend à une petite fête. On va faire les clowns, oui. Oh non, pas une autre fête d'enfant. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour gagner son pain? Mais il nous faut des attractions pour le chapiteau et nous n'avons rien trouvé. Eh bien, tu ferais mieux de trouver. T'as un joli costume, Jules. Jules? Tu t'amuses? C'est un bal costumé. C'est vrai. Comme ça, tu passes inaperçu. Ton ami Jules est très gentil. Hein? Qui c'est, Jules? De vrais clowns, allons voir ça. Ouais. Ta-ta-ta-la bananes et essieux, les clowns Lenny et Clarence. Silence, Clarence. C'est ça, un lapin? Oh, une sauterelle. Aïe. Oh, oui, aïe. Psst. T'as pas un jeu à proposer? À vos marques. Prêt. Partez. On y va. C'est drôlement fort. Ah,
tu brûles. Oui, tu brûles. Oui, oui. Non. Vas-y, non. Tu es presque. Non. Tu brûles. Oui, tu brûles. Oui, tu brûles. Non. 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 Reviens, sois pas si douillet, quoi. Douillet? Je préfère être douillet qu'être un idiot. Non, j'aurais mieux fait de rester chez moi. J'étais en sécurité dans mon vieux tunnel. Et j'y retourne de ce pas. Dragon! Oh, zut, flûte! Dragon! Il a bien dit dragon? Peut-être. J'aurais payé cher pour voir un dragon et voilà que j'en avais un sous les yeux. Tu sais, je crois que c'est la dernière fois qu'on fait les clowns. Allez, amène-toi. Pas ici. Hein? Où est-elle passée? Je sais, tu es là, dragon. Il faut que je te parle. C'est toi qui as raison. Tu es sans doute plus en sécurité au fond de ton tunnel. Ça ne veut quand même pas dire qu'on ne peut pas être amis. N'est-ce pas? Je pourrais venir te rendre visite. Oui. Je ne veux pas vivre dans un monde sans dragon. Autour de toi. Oh. Non, allez-vous-en. Vous n'êtes pas en sécurité ici. Vous devez vous cacher. Je ne regarderai pas. Oh. Oh. Oust. Partez. Oh. C'est pas comme ça que je voulais que ce soit. Réfléchis un peu, vieil imbécile. Tous ces ennuis que j'ai pu causer, blessant la seule qui tienne à moi, je dois me faire pardonner en lui offrant le plus beau cadeau du monde. Même tout ce trésor ne suffira pas. Que faire? Oh, 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 oh. Ah! Oui, bien sûr! Le plus beau cadeau du monde. Ah, oh.
Bonne nuit, dragon. Combien de temps va-t-on rester ici? Aussi longtemps qu'il faudra pour attraper ce dragon. Maintenant, tais-toi. Bon, oui, le dragon. Silence. Hein? Aurais-tu déjà oublié, hein? C'est ton cadeau d'anniversaire, petite. Mais il y a là tout un zoo. Non pas. J'ai laissé les boas et les crocodiles. Oh, c'est merveilleux, merci. Mais... Tu n'en veux pas, c'est ça? Oh, j'en veux. Vraiment. C'est que... Ils ne sont pas en sécurité, c'est bien ça. Non, j'ai bien peur que non. Eh bien, nous ferons tout ce que nous pouvons pour changer le monde, afin d'y vivre en paix, tous ensemble. Avec les dragons. Viens, petit. Attrape-le, Clarence. On ne te fait aucun mal, tu sais. Le seul, l'unique, véritable dragon au monde. Mais quoi? Ne reste pas là bêtement, fais quelque chose. Allez. Ces drôles d'humains sont si mignons, ils attireraient des foules. Les seuls et uniques véritables canailles en captivité. Ils n'embêteront plus personne. Bien. Allons-y, nous avons encore du pain sur la planche. Une journée de salaire pour avoir gâché la fête de ses enfants et une autre pour vous être servi du camion sans avoir demandé la permission et une autre pour une aussi stupide histoire. Écoute, Clarence, nous n'avons rien vu. Je te jure. Oui, mais le dragon. Non, tu as raison, on n'a rien vu du tout. Yahoo!
Maintenant, je comprends pourquoi on fête ses anniversaires qu'une fois par année. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. C'est rempli de... De gâteaux, de clowns et aussi d'aventures. Oui, mais je n'ai plus de cadeaux à t'offrir, moi. N'est-ce pas le plus important? Un jour d'anniversaire. J'ai reçu un cadeau merveilleux. Le plus beau des souvenirs. Et plus important encore, ton amitié, Dragon. J'ai aussi l'impression de célébrer mon anniversaire. Tiens, c'est assez amusant que tu dises ça.